froissé, là c'est un petit peu humide avec la vaporisation, on retourne le vêtement, et là on est position 1, on appuie sur la pédale, et là ça refroidit, et ça enlève toute l'humidité, on caresse le vêtement pendant que c'est froid, et on n'a plus qu'à plier en même temps, pour faire une finition parfaite, tout ça sans toucher au fer. Ça c'est pour les polos. Et on peut aussi repasser les chemises très facilement. Alors la chemise, on va repasser le col et les poignets avec le fer. Et le reste, on va faire avec les mains. Vous voyez ? On laisse la porte travailler. Oui, la vapeur sort de la table. On a défroissé et là on va fixer le repassage. Et, pour que le linge soit net. Si on veut un pli dans la manche, dans le dos de la chemise, on va utiliser le fer. Et justement pour les manches, on va pouvoir faire les manches très facilement. On va simplement repasser le poignet avec le fer, on plie le poignet, comme ça. On va travailler directement. Oui. Et là, on prend la manche, on laisse la table travailler. Une chose intéressante pour ce qui concerne le fer, il n'y a plus de réglage de température. C'est-à-dire que même si on veut repasser avec le fer, on va pouvoir aller sur les différentes matières, la soie, le coton, même les flocages, je pourrais aller dessus aussi, les paillettes pour les vêtements féminins, mais en réalité, ça et ça, on va le faire avec les mains. Mais si on voulait vraiment repasser avec le fer, il n'y a aucun souci, on peut tout repasser, les jeans, la laine, on peut tout faire. Alors bien sûr, il y a aussi le repassage à la verticale, ça c'est pour les costumes. On va... La housse est unifugée, elle ne brûle pas. Hein. On va défroisser à la verticale, c'est de la haute pression. Après, ce qui est vraiment fabuleux, c'est le rangement de la table. Pour les gens qui ont besoin de ranger la table, elle ne rentre pas dans le sac, c'est ce qu'on aime. Mais on va mettre, on va retirer la semelle Teflon qui est anti-lustrage, ça remplace la pâte mouille, on met dans le sac. Le fer, même chose, va se ranger dans le chausson en silicone, comme ça c'est protégé, on se coule. Ça va être le prix marché. Là, on fait un prix de lancement pour le salon. Le son de n'importe quel téléphone sans électricité, sans paramétrage électronique, juste en insérant le téléphone, quel que soit le téléphone. Oui, il suffit de mettre le haut-parleur à l'intérieur et le pavillon sonore